elle en rigole. Ce vendredi 26 mai, TF1 a diffusé la demi-finale de la saison 5 de sa célèbre émission, Mask Singer. Pour aider les enquêteurs à démasquer les quatre dernières célébrités, cachées derrière les costumes du husky, de la méduse, du chameau et de la biche, Camille Combal a eu l'excellente idée de faire intervenir un enquêteur guest. Mais attention, pour que ce dernier rejoigne l'équipe, Kev Adam, Jeff Panaclock, Michel Bernier, qui a récemment été absente de l'émission, et Elodie Frégé devaient également deviner son identité. Un sublime taureau avec des cornes dorées et un costume composé intégralement de miroirs a alors fait son apparition. Elodie, vous aviez déjà vu d'aussi belles cornes ? Ainsi demandait Camille Combal devant des enquêteurs subjugués par la tenue de l'invité spécial. Dans une réponse pleine d'humour, la grande gagnante de la saison 3 de la Star Academy a révélé qu'elle avait déjà porté des cornes, en faisant référence aux infidélités de ses anciens compagnons. Écoutez, j'en ai porté, jadis, a-t-elle révélé, avant d'être soutenue par Michel Bernier, on en a porté. On a porté quelques paires de cornes toutes les deux. On est ravis que, ce soir, ce soit Dame Taureau qui porte ses cornes, a insisté la jolie rousse. Supérieure à Elodie Frégé, qui sont les hommes qui ont partagé sa vie? Mask Singer, quelle célébrité se cachait derrière le masque de Taureau? Quelques secondes après les révélations d'Elodie Frégé, les enquêteurs ont finalement pu obtenir quelques indices sur l'identité du Taureau. Et, après avoir vu la prestation de ce nouveau personnage sur un titre de Bruno Mars puis appris que celui-ci était une femme qui a chanté pour Barack Obama, a été vu par plus de 100 millions de personnes, a obtenu pas moins de 15 disques d'or et de platine et qui a été numéro 1 dans de nombreux pays, les enquêteurs n'ont eu aucun mal à le démasquer. Car, oui, il s'agissait bien de la chanteuse Angoune sous ce superbe costume réfléchissant. Si la voix de l'artiste est reconnaissable, les indices et le fait qu'elle ait fait partie du jury de l'émission lors des premières saisons ont tout de suite permis à Kev Adams et Camille Combal de la reconnaître. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, TF1. Yeah.